Bonjour, je suis Caroline Lamoudipont, cofondatrice du groupe Anaxago et aujourd'hui nous allons parler des sûretés liées à la dette privée immobilière. Alors qu'est-ce que c'est qu'une sûreté ? Une sûreté, c'est une garantie prise par le prêteur pour garantir son prêt et le sécuriser vis-à-vis de l'emprunteur. Dans le cadre de la dette privée immobilière, il existe un certain nombre de sûretés et nous allons en détailler quatre avec vous aujourd'hui. La première de ces sûretés, l'incontournable, c'est l'hypothèque. L'hypothèque, elle permet au prêteur de garantir son prêt à l'emprunteur. L'hypothèque, elle permet à l'emprunteur de prendre possession du bien immobilier hypothéqué et de le revendre pour récupérer le montant de son prêt. Deux niveaux d'hypothèque sont à distinguer, l'hypothèque de premier rang et l'hypothèque standard. L'hypothèque de premier rang dispose de la priorité la plus élevée en termes de remboursement en cas de défaut de l'emprunteur. Dans le cas d'un défaut de l'emprunteur et que le prêteur prend possession du bien immobilier hypothéqué pour le revendre, les premiers hypothécaires à être remboursés seront les hypothécaires de premier rang. Les autres dettes éventuelles mises en place seront ensuite remboursées, y compris l'hypothèque standard. La seconde sûreté, plus souvent appelée la reine des sûretés, il s'agit de la fiducie. Alors la fiducie, c'est un mécanisme juridique à travers lequel une personne transfère des droits, des biens, des actifs à une personne appelée le fiduciaire, qui les détient ou les gère pour le bénéfice d'autres personnes appelées les bénéficiaires. La troisième sûreté qu'il faut connaître, c'est le nantissement. Il s'agit d'une garantie à travers laquelle un débiteur remet un bien en gage à un créancier pour garantir le remboursement de la dette. Enfin, terminons par la caution notariée. La caution notariée, qui est une forme de garantie à travers laquelle un tiers s'engage par acte notarié à rembourser la dette d'une autre personne en cas de défaut de cette dernière. Cet engagement est formalisé devant un notaire, ce qui lui confère une valeur juridique renforcée et une force exécutoire. Chez Anaxago, nous apportons une grande importance à la sélection des dossiers proposés à l'investissement et donc à leur qualité. Dans le cadre des opérations de dette privée immobilière, nous veillons à ce que les niveaux de sûreté soient les plus avantageux possibles pour nos investisseurs, afin de circonscrire autant que possible le risque de l'investissement.